Bonsoir et bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. En Kabylie, Chérif Mellal, l'homme à ne pas lâcher pour les caporaux du régime d'Alger qui le considèrent très dangereux. Chérif Mellal vient d'être acquitté, mais il reste injustement en prison pour une autre affaire. La cour d'appel d'Alger vient de prononcer la relaxe en faveur de Chérif Mellal, l'ancien président de la GISK. Il a été poursuivi pour atteinte à l'intégrité du territoire national sur fond d'appartenance présumée au mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Cependant, Chérif Mellal reste en prison car il est poursuivi dans une autre affaire liée au blanchissement d'argent monté de toutes pièces par les services secrets algériens. Condamné en première instance à 18 mois de prison ferme, l'ex-président de la GISK, club phare de la Kabylie, vient d'être finalement acquitté en appel. Le parquet avait réclamé l'aggravation de sa peine lors du procès en appel qui s'était déroulé le 25 décembre dernier. Il était poursuivi sur la base de l'article 79 du Code pénal algérien pour atteinte à l'unité nationale sur fond d'une prétendue appartenance au MAC, injustement classée par le régime algérien comme organisation terroriste depuis le 19 mai 2021. Malgré cet acquittement, Chérif Mellal reste toutefois en prison. Il est accusé d'une autre affaire de blanchiment d'argent montée de toutes pièces par les services secrets algériens, des fausses accusations qui s'inscrivent dans le cadre d'un plan qu'ils ont orchestré pour le destituer illégalement de la tête du fameux club de la Kabylie, la GISK. Et c'est justement pour cette affaire que Chérif Mellal a été interpellé et placé sous mandat de dépôt en janvier 2023 à la prison de Qléa. Et cela fait maintenant près d'un an qu'il croupit injustement dans les geôles colonialistes algériennes. Il n'est un secret pour personne, selon les médias kabyles, que c'est à cause de son engagement infaillible à préserver l'identité kabyle de la GISK et son attachement à la cause berbère que le régime algérien a monté et lancé contre lui cette cabale judiciaire et sécuritaire de toutes pièces. Tous ces développements judiciaires soulèvent des questions sur la justice en Algérie et suscitent des inquiétudes quant au respect des droits fondamentaux. Cette affaire de Chérif Mellal confirme un racisme d'État contre le peuple kabyle. À travers cette plateforme de Akhbar al-Bled, nous déclarons le soutien et la solidarité avec le peuple kabyle et avec les jeunes kabyles incarcérés injustement et condamnés à mort. Le soutien et la solidarité sur la chaîne Akhbar al-Bled restera sans faille jusqu'à ce que justice soit rendue à ces jeunes kabyles incarcérés injustement, jusqu'à ce que liberté soit rendue au peuple kabyle pour qu'il puisse décider de son sort et pourquoi pas accéder à son indépendance. Merci de votre suivi. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen. Nous reviendrons à chaque fois que ça le mérite. Je voudrais seulement vous rappeler que votre chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemcen a énormément besoin de votre soutien pour faire face à ses détracteurs et à ceux qui luttent pour la faire disparaître auprès de YouTube. Soutenez la chaîne en cliquant j'aime sur toutes les vidéos, en laissant des commentaires, mais surtout en vous abonnant et en vous adhérant à la chaîne
Si vous avez les petits moyens de vous adhérer avec 3 euros par mois, n'hésitez pas à vous adhérer à la chaîne. Ça augmentera les chances de la chaîne de résister à ses détracteurs en Algérie, ceux du pouvoir dictateur militaire qui voudraient la voir disparaître. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Bled deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair bi'uyun maghribiya, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant. Un public très large sur Akhbar al-Bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième, qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen, la chaîne principale, qui sera quotidienne. Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair bi'uyun maghribiya, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les trois chaînes, Inch'Allah.